Salut à toi et bienvenue sur une vidéo de la chaîne NVK Voyage. Je te partage ici notre première expérience en road trip dans le nord de l'Espagne. En 8 jours, nous avons eu une riche diversité de climats et de paysages. Entre les forêts verdoyantes, montagnes enneigées, le désert de Bardenas Reales et la ville de Zaragoza, je te propose dans cette vidéo un road trip varié, réalisable en 8 jours dans le nord de l'Espagne. Nous passons un dernier jour dans le parc national d'Ordesa avant de quitter les montagnes pour le désert. Depuis notre bivouac, on se rend au parking d'Ordesa pour commencer notre randonnée vers la cascade de Cola de Caballo. Aujourd'hui, on est reparti pour une rando, toujours dans le parc national d'Ordesa. Donc c'est Fara de Pelei. Voilà, une rando de 4h30, 5h. Ça offre pas mal de jolis points de vue. Regarde les images qui suivent. Et bien après Faja de Pelei, on a la cascade de Coba de Caballo, tout simplement magnifique, c'est top. Oups, je savais pas, mais c'est évident dans les parcs nationaux, je crois que c'est complètement interdit. Bah voilà, c'est trop tard, c'est fait hein. On change désormais de décor en partant 230 km plus au sud-ouest, direction le désert de Bardenas Reales. Alors aujourd'hui on est dans un tout autre lieu, on est parti donc du parc national d'Ordesa et on est à Arguedas, donc là il y a des maisons troglodytes derrière moi. On est surtout ici pour le parc national Bardenas Reales, un truc qui ressemble un peu au désert où a été tourné je crois des films de Far West, des choses comme ça. Allez, je vous fais visiter une des maisons troglodytes. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez vu, ils ont fait le coin cuisine, tout ça. Alors, il faut savoir que c'est des maisons troglodytes qui ont été réaménagées au fur et à mesure des années. Ce style-là, c'est un petit peu 19e siècle. En gros, il y a eu de la présence depuis leur création. C'est devenu par la suite des sites historiques que nous pouvons visiter maintenant. Parc national, Las Bardenas Reales.
On part maintenant visiter la ville de Saragosse à l'est. On continue donc notre road trip en Espagne. Aujourd'hui, on se retrouve à Saragosse et on va visiter la basilique d'Armois, Nuestra Señora del Pilar. On retourne dans les montagnes pour finir sur une randonnée dans le parc national d'Egartortes. Eh bien, nous sommes sur le dernier jour du road trip. On a décidé sur le chemin du retour de visiter un dernier parc national, celui d'Egartortes. Donc ici, pas mal de petites randos à faire à partir du barrage qui est juste derrière moi. Nous, on va faire la principale. Et donc, c'est une succession de plusieurs petits lacs. Et puis, ce sera la fin du road trip. Donc profite de ces dernières images et à une prochaine fois. Je t'ai mis un lien dans la description, le Tipeee pour me soutenir dans ce travail de vidéo, ainsi qu'un lien te permettant une réduction de 15% sur la marque Keysack, un de mes partenaires.